Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview en direct. Voilà une tradition maintenant bien établie depuis les 55 interviews confinement. Voilà, il y a des interviews chaque semaine, donc en général une, deux, en général une. Et aujourd'hui, à l'autre bout de la connexion Skype, je suis très content d'avoir le sémillant Guillaume Pil de Two Notes Audio Engineering. Comment est-ce qu'il va, Guillaume Pil ? Il va bien, et toi, comment ça va bien? Eh ben écoute, moi ça va très bien, ça me fait tellement plaisir que tu me demandes ça comme ça, Guillaume. je connais l'accroche. Bon, dis-moi, la dernière fois qu'on s'était croisé, bah, c'était au Winter NAMM 2020, donc quoi de neuf depuis? Puis je te fais une double question, un 2 pour 1, quels ont été les impacts du confinement sur le business de Two Notes? Alors, quoi de neuf depuis? Alors, bon, au NAMM, on a présenté un nouveau produit qui s'appelle le Torpedo Captor X, qui est, alors pour les gens qui connaissent Two Notes, ils ne seront pas surpris, c'est un simulateur d'enceinte, prise de son, silencieuse, avec quand même un atténuateur pour les gens qui veulent un petit peu de son. C'est un joli petit produit sous forme de loadbox. D'ailleurs, j'aurais pu en avoir un avec mon voisin qui, non, même pas qui traite dans mon bureau. Il est à la maison maintenant, et on va en parler. Donc, format grosse DI, un truc facile à poser sur un ampli, facile à travailler dans un geek bag s'il faut. On a reçu un excellent accueil au NAMM qui nous a laissé penser qu'on avait effectivement un produit plutôt cool sur les bras. Et on en a eu la confirmation. Alors, on a eu la confirmation un peu retardée puisqu'on a eu beaucoup de retard sur la production, donc j'y viendrai. Mais depuis fin mi-mai, on a commencé à livrer. On a dans cette catégorie de produits, c'est la meilleure vente mondiale et on se maintient à des niveaux de vente qu'on n'avait pas connus encore jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment beaucoup de chance dans cette période difficile avec ce produit qui plaît beaucoup. On a d'excellents retours utilisateurs. C'est un produit dont je suis très fier parce qu'on s'est quand même bien pris le chou dessus. Bon, comme tous les produits, mais je dirais celui-là, il y avait un enjeu parce qu'on savait que le rapport qualité-prix était vraiment canon. Du coup, on savait qu'on ferait du volume, ce qui est pas le cas généralement sur les produits Torpedo qui sont quand même des produits plus niches. Là, on a franchi quand même un cap et la réaction des utilisateurs est assez incroyable. Donc voilà, j'en suis très fier et très heureux. On a sorti récemment, alors on n'a pas de nouveaux produits, mais on a un peu changé, enfin on a même plus qu'un peu changé le Torpedo Cab M, qui est une pédale, un format pédale qui fait simulateur d'enceinte pour les gens qui veulent mettre ça sur leur pedalboard, derrière leur préampli, leurs effets, etc. Et puis aller direct en console, par exemple, ou juste jouer à la maison avec un casque. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.